Bienvenue à tous. Est-ce que après Gizenga, père et fils, c'est le déluge, c'est la disparition de ce grand parti des années 60 après la mort de Lumumba, comme il est des coutumes dans d'autres partis politiques, le MPR ou d'autres partis qui ont disparu juste après la disparition de leur leader? Qui a intérêt à vendre aujourd'hui le PALU? Qui veut déstabiliser ce parti? Est-ce que certains cadres du PALU sont-ils en train de traverser avec armes et bagages pour peut-être reconfigurer la nouvelle majorité? Qu'est-ce qui se passe avec ce 13 parlementaires qui demandent ou qui planifient le dialogue? Qui leur a donné le mandat? Pour quel objectif? Est-ce que les institutions sont-elles menacées par cette initiative qui est à la fois rejetée par l'FCC, timidement accueillie par l'UDPS? Ce soir, on va aussi parler de la jeunesse qui se sent souvent abandonnée. Abandonnée par qui? Eh bien, c'est qui nomme Patrick Muyaya. N'a jamais été nommé, ni ministre, ni mandataire, mais il reste droit dans ses bottes, réélu deux fois. Il est aujourd'hui notre invité. Voici l'invité de ce jour annoncé depuis quelques temps. Bonsoir. Bienvenue, honorable Muyaya. Merci. Oui, oui, on fait comme ça. Salutations parce que, en mode COVID. Voilà, il faut respecter la distanciation. Mais voilà, un mètre. Je disais tout à l'heure à ceux qui nous suivent à travers le monde et qui attendaient beaucoup cette émission, parce que dès qu'on a annoncé effectivement qu'on allait vous recevoir, que des questions sur Patrick Muyaya. Est-ce que tout va bien? À l'image de Jean-Marie Kassamba en face de moi, tout va bien. Je suis bien ému de me retrouver là. J'ai l'impression qu'on doit inverser les rôles. Alors ce soir, c'est moi qui lui pose des questions. Fort malheureusement. Et vous allez vraiment encaisser ces questions. Prenez la place dans ces fauteuils qui vous attendent depuis 4 heures que nous avons annoncé cette émission en direct de Kinshasa. Bienvenue à tous de par le monde. Vous nous suivez et vous avez attendu patiemment chez vous pour recevoir ces jeunes députés, qui n'est pas jeune d'ailleurs parce que il est élu et réélu. Ça veut dire qu'il a deux mandats à son actif. Mais Patrick Muyaya n'est pas seulement député aujourd'hui parce qu'il a commencé. Et je pense qu'il reste encore journaliste un tout petit peu. Mais bien sûr, on le reste à vie. Comme les avocats, ils sont députés, ils sont avocats. Je suis journaliste, je le reste. Alors, il est député national, élu ici à Kinshasa, dans la circonscription de la Founa. Il est cadre du PALU, parti lumumbiste unifié d'Antoine Gizenga. Et surtout, il est jeune, Patrick Muyaya. Il est jeune. Il a été d'ailleurs dans l'encadrement de jeunes parlementaires. Je ne me considère plus aussi jeune qu'on ne le prétendait, parce qu'à 38 ans, je crois qu'on a fait un parcours et je crois que j'ai commencé très tôt. J'ai eu le privilège d'ailleurs de partager les micros avec vous il y a certaines années. 38 ans, je traîne à peu près 18 ans d'expérience. Je crois que ce n'est plus jeune ça. Effectivement, ce soir, nous n'allons pas parler aux jeunes parce que nous avons affaire à un politique, Patrick Muyaya, qui est aujourd'hui au cœur de beaucoup d'interrogations. Interrogations d'abord sur l'avenir du PALU, ces grands mouvements politiques d'Antoine Gizenga qui nous a quittés. Ensuite, son fils qui devait assurer l'intérim est parti également. Ça se déchire dans tous les sens. Et ensuite, et surtout, cette initiative de 13 parlementaires. Vous avez posé une quinzaine de questions, rien que sur les 13 parlementaires. Aujourd'hui, la toile est en feu parce qu'apparemment, comme on dit chez nous ici, quelqu'un derrière vous, on vous a envoyé pour perturber les institutions, peut-être provoquer la transition avec un débat en sus. Mais avant que vous répondiez à toutes ces questions, nous avons réalisé un petit portrait de Patrick Muyaya qu'on va essayer de voir ensemble et découvrir, parce que je sais que vous ne l'avez pas encore vu, avec ceux qui nous suivent à la maison. Voici l'invité. C'est à la télévision que le public le découvre, à l'époque, avec ses talents d'excellent reporter journaliste à la CBS, avant qu'il n'en devienne le président du conseil d'administration.
Diplômé de l'Institut facultaire des sciences de l'information et de la communication en 2009, il passe pratiquement toute sa vie à Bandalungwa, dans les districts de la Funa à Kinshasa. C'est donc sans grande surprise qu'il sera chaleureusement porté par cette base, composée par ses proches lorsqu'il décide de leur servir en tant que député national depuis 2011. Mais son engagement dans la politique active commence un peu plus tôt. En 2005, Patrick Muyaya fait ses débuts en politique en rejoignant l'équipe du deuxième rapporteur de l'Assemblée nationale de transition et devient donc son conseiller politique. En 2007, il est conseiller en communication au cabinet du Premier ministre Antoine Gizenga. Un an plus tard, il devient conseiller principal chargé de la communication et de la presse à la primature de la République démocratique du Congo sous le mandat du Premier ministre Adolphe Mouzito, poste qu'il occupe jusqu'en 2011. C'est donc au terme des élections législatives de 2011 qu'il devient à l'âge de 29 ans député national élu dans le district de Kinshasa de Funa sur la liste du parti Lumumbiste Unifié. Patrick Muyaya est réélu député national dans le district de la Funa à Kinshasa à l'issue des élections législatives du 30 décembre 2018. Très modéré dans ses prises de position, l'on arrive parfois à oublier son attachement à un quelconque camp politique. Patrick Muyaya s'est fédéré et préside par exemple les réseaux de jeunes parlementaires de la République démocratique du Congo depuis 2016. Ces dernières années, il a été aperçu parmi les 13 personnalités de tous bords politiques qui consultent différents acteurs, dont le président de la République, au sujet des prochaines réformes électorales. Et je dois préciser aussi que Patrick Muyaya a suivi une formation en stratégie au TIEST, qui est une grande école ici à Kinshasa, l'école de formation qui est réservée à l'élite stratégique du pays. Quand je suis ce portrait, j'ai l'impression que c'est plutôt un jeune surdoué, prématurément entré dans l'arène politique, mais avec beaucoup de maîtrise. Je crois que c'est parce que, durant mon parcours, j'ai eu le privilège de rencontrer beaucoup de personnalités, y compris vous. Je vous fais cet aveu parce que j'avoue que je suis impressionné par le portrait qui est fait. J'aurais pu m'attendre à tout sauf à ça. Je crois que, pour moi, c'est les clous de l'émission. Mais parce que, Jean-Marie Kassamba, dans la vie, il faut savoir sur quoi on est assis. Vous savez, avant de faire quoi que ce soit dans la vie, il faut toujours vous poser la question à quoi vous servez. Si vous ne savez pas découvrir votre vocation dans la vie, vous ne saurez jamais aller loin. Et moi, j'ai découvert la mienne. Ma vocation, c'est être seulement au service des autres. Moi, je n'ai jamais eu de projet d'avoir des immeubles partout dans la ville. Je n'ai jamais fait des courses à l'argent. Je ne le ferai jamais. Je ne suis pas fait pour ça. D'autres les feront sûrement pour moi. Mais je crois que le plus important pour un jeune qui comprend le contexte dans lequel la République démocratique du Congo évolue, nous ne pouvons qu'être très, très, très fortement engagés. Je peux vous... Vous savez que nous avons partagé les métiers que vous faites. Avec vous, nous avions les privilèges, le matin, de déjeuner avec les Cheguet, le soir, de finir sur la table du président de la République. Qui mieux que le journaliste peut comprendre la complexité et l'immensité de la tâche qui doit incomber à ceux qui doivent diriger la République démocratique du Congo? Mais Patrick Muyaya, quand je disais que un surdoué précocement baigné dans l'arène politique, mais c'est en même temps toutes ces rencontres que vous avez eues dans votre vie. Absolument. Jeune bon journaliste. Merci. Mais que vous avez complètement cassé très vite. On a oublié de dire dans ce portrait que vous êtes marié, père des enfants, mais on a du mal à vous situer. Vous êtes quoi? Des gauches? Des droites? Je ne crois pas que, peut-être que ça fera l'objet d'une autre émission, mais je ne crois pas qu'au Congo qu'on a atteint
la maturité politique pour nous définir vraiment de gauche ou de droite. Je vous donne un exemple parce que vous avez un peu une expérience de ce qui se passe en Occident. La République en Occident est née des rapports de force parce que une tranche de la population en avait marre d'être dirigée par des monarchies et des monarques. Les gens se sont dit, on ne va pas rester derrière la famille des tels pendant des années, créons la République. On dit que la politique, c'est l'art de la gestion de la cité. Il s'agit donc de gérer ce qui est produit. Et c'est dans le choix de cette gestion qu'on définit des gens qui sont de gauche ou de droite. Moi, j'estime qu'au Congo, on n'a pas encore atteint une maturité économique qui puisse nous déterminer véritablement de gauche, où nous regardons le travail des agents, où nous regardons la classe moyenne, la classe basse ou la classe moyenne, et des droites pour dire, nous, on privilégie les choix du patronat, comme c'est le cas en France ou comme c'est le cas aux États-Unis. Et donc, au Congo, on n'a pas encore atteint cette maturité politique. C'est pour ça que vous voyez qu'il y a des coalitions où des gens se disent, se réclament de droite, mais ils se retrouvent avec des gens de gauche au sein d'une même coalition, parce que nous, on n'a pas encore fort, malheureusement, construit idéologiquement la matrice qui peut faire que notre pays avance. Et d'ailleurs, les débats politiques n'est jamais idéologique. Alors, on reste un peu dans le portrait pour faire un peu de Congossa. Vous savez ce qu'on appelle les Congossa? Non. Les Congossa au Cameroun, ça s'appelle la rumeur. C'est-à-dire ce que les gens disent. Et parfois, ça alimente la conversation. Absolument. Et il y a eu beaucoup de Congossa sur Patrick Muyaya. D'ailleurs, jeune journaliste, on le voit marié. Mais à qui? À la fille d'un premier ministre. Pour quelqu'un qui disait qu'il n'avait pas d'ambition, quelqu'un qui ne disait pas qu'il n'était pas opportuniste, on vous a traité d'opportuniste. Mais c'est bien dommage parce que Jean-Marie Kassamba, quand on se marie, on fait le choix. Vous êtes au courant qu'il y a eu beaucoup de... Non, mais de toute façon, moi, on m'a dit que j'étais franc-maçon, j'étais un petit sorcier et tout ça. On n'est pas encore arrivé là. Je me souviens... On va y arriver. On a plus de trois minutes pour ça. Je vais y arriver parce que... On ne peut pas, au Congo, ce qui est jeune, ce qui est surdoué peut paraître sorcier. Et donc, les gens cherchent des détours. Vous savez que pour que j'aille travailler à la primature, poser la question à Adolphe Nuzito, il vous dira qu'il est venu parler à ma mère à la maison parce que je ne voulais pas. Ah bon? Parce que Jean-Marie Kassamba, beaucoup qui me voient, je n'aime pas toujours parler de ces chapitres de ma vie, mais quand j'étais journaliste, j'étais parmi les seuls journalistes qui étaient toujours à côté du Palou, que les gens présentaient comme un parti de vieux, un parti mystique. Et moi, j'ai rendu... Une religion. Une religion. Et moi, j'ai découvert... Attaché à Guizet, Namistico, j'ai découvert, mais c'est tout à fait normal qu'il soit perçu comme tel. J'aurai le temps de m'expliquer un peu plus tard. Et moi, quand j'ai commencé donc à couvrir les activités du Palou, et j'ai rencontré Adolphe Nuzito, c'est ma rencontre avec le Palou qui me permet, par exemple, de comprendre l'histoire de la République démocratique du Congo. Parce que le Palou est né en 64, le 22 août. Gizenga a été les compagnons de Patrice Emery Lumumba. Donc, vous voyez plus ou moins les cheminements. Donc, on s'est rencontrés dans un cadre plutôt professionnel avec Adolphe Nuzito. On a tissé des liens. Et je crois même que le mariage nous a un peu éloignés. Vous pouvez comprendre. Il n'y avait pas de relation, de cause à effet, circonstances. Aucune, parce que moi, ma nomination à la primature intervient 5 ans plus tôt avant mon mariage. Et d'ailleurs, les gens ne savent peut-être pas que c'est Muzito qui nous a rejoints à la primature. Parce que quand Muzito est nommé ministre du budget... Vous étiez déjà avec Bayobo et Gizenga. Mais bien sûr, moi je suis d'abord conseiller du patriarche Antoine Gizenga et c'est moi qui fais la mise en place de tous ceux qui géraient la communication dans les 5 ministères du Palo au premier gouvernement Gizenga. Ça, c'est des aspects de l'histoire que les gens ne connaissent pas parce qu'il est toujours beau pour les Quinois, pour certains, de mauvaise foi, de toujours trouver les points noirs là où il n'y en a pas. Et c'est tout à fait normal parce que nous tous, plus nous avançons, y compris vous Jean-Marie Kassamba, nous cultivons les mythes. Il faut bien que certaines personnes... Vous n'êtes pas en cravate rouge, mais est-ce que vous êtes franc-maçon? C'est quoi la franc-maçonnerie? De toute façon, Jean-Marie Kassamba, moi, je suis un homme de foi. Parce que c'est que je suis devenu... L'homme de foi ou des mystiques? Je suis un homme de foi. C'est que je suis devenu, c'est ce que j'ai confessé. Dieu est le maître de choses visibles et invisibles. Moi, je n'ai pas besoin d'appartenir à un mouvement quelconque dès lors que j'estime que je suis en symbiose avec les créateurs. Et donc, tous ceux qui parlent de franc-maçonnerie ou d'appartenance à des loges, je crois qu'ils ont besoin... Peut-être, vous n'avez jamais fréquenté une loge? Peut-être de me rattacher, non. Pas du tout, je n'en ai jamais senti l'utilité. Bien sûr que je regarde. Je l'ai dit devant caméra, devant 2 millions de téléspectateurs. Autant je ne juge pas les gens sur leurs orientations au plan spirituel, autant je peux vous dire que je suis chrétien catholique, baptisé,
et tout ce que vous connaissez comme sacrement. Patrick Mouyaya. Et le jour de ma mort, on fera des absoutes. Oui. Vous des pouvez en être à l'église par le prêtre. Bien sûr. Par le grand maître d'une loge quelconque. Vous y êtes avec des chaussettes rouges, il paraît que c'est un signe distinctif. Ah. Malheureusement, c'est plus tendance qu'autre chose. Question directe, Patrick Mouyaya. Vous êtes beau-fils d'un Premier ministre qui trahit Joseph Kabila. Pourquoi vous ne l'avez pas suivi, Adolphe Mouzito? Je ne suis pas sûr que le mot trahir, c'est le mot qu'il faut. D'abord, je ne suis pas très bien placé pour parler des rapports qui ont caractérisé d'abord Mouzito et Gizenga, parce que Mouzito était ce qu'on peut appeler usufruitier. Est-ce qu'il avait trahi Gizenga? Vous allez continuer. Est-ce qu'il avait trahi Gizenga, qui est mort partenaire de Joseph Kabila, FCC, d'abord MP et FCC, et son fils d'ailleurs le restait, où il a trahi juste Kabila et il était fidèle à Gizenga? Non. Jean-Marie Kassamba, dans la vie, on évolue, on fait des choix. Vous êtes bien placé pour lui poser la question. Je crois que nous avions eu le temps de discuter à l'époque. Adolphe Mouzito, après avoir été Premier ministre, c'est tout à fait normal qu'il ait cultivé une ambition présidentielle. Il a cultivé une ambition dans un camp politique qui était en accord avec le président Kabila. Le président Kabila, il avait son plan. Je crois qu'il y a eu, comme d'habitude ici, beaucoup des ragots, beaucoup des malentendus qui ont conduit au fait qu'Adolphe Mouzito a choisi de faire le choix qu'il a fait. Je vais en arriver à ça parce que dans un parcours politique, chacun fait ses choix. Moi, je n'avais pas les mêmes niveaux de responsabilité qu'Adolphe Mouzito pour faire le choix qu'il a fait. Il a fait le choix politique qui lui correspondait par rapport à son cheminement vital, par rapport à son plan de carrière. Moi, j'ai estimé que je ne pouvais pas les joindre dans son camp politique. Ce n'est pas, je ne le condamne pas non plus d'avoir fait le choix qu'il a fait, parce que dans Vous répondez d'abord à ma question. Laquelle? Pourquoi vous n'avez pas suivi votre Qu'est-ce qui m'est lié? Il n'y a pas l'hérédité biologique en politique n'existe pas. Même votre charmante fille n'est pas obligée de faire le métier que vous faites. Est-ce que c'était par fidélité à Gizenga, qui avait toujours dit « Mes disciples doivent rester fidèles à Kabila » ou bien c'est parce que vous considérez un homme libre... Je n'ai pas terminé ma question. Vous vous considérez comme un homme libre et que les choix de votre beau-père restent ses choix et les vôtres sont les vôtres. Mais je crois que j'ai toujours été libre et Adolphe Mouzito vous dira qu'il n'a pas meilleur contradicteur que moi. Et la contradiction ne date pas... Vous savez qu'avec lui et moi, on n'existe pas des relations à proprement parler de beau-père, parce que nous discutons toujours comme nous discutions à l'époque. Et ça, c'est des aspects que les gens ne connaissent pas. Et dès lors que lui, il a fait le choix qui n'était pas le mien, j'ai respecté ce choix, je continue le chemin. La trahison, M. Kassamba, il faut qu'on fasse attention, parce que la trahison, on trahit une philosophie ou on trahit un individu. Parce que j'ai toujours eu l'impression, fort malheureusement, que la politique ici s'est résumée à l'accrochage ou à l'attachement fort à un individu. Mais les individus peuvent mourir. Il faut s'attacher à des principes pour être sûr que nous pérennisons le combat des individus. Et donc, moi, quand vous parlez de Joseph Kabila, j'ai pas envie de le voir, lui, comme individu. J'ai plutôt envie de voir en lui des idées qui peuvent continuer et qui peuvent justifier l'adhésion de certains compatriotes. Est-ce que Patrick Mouyaya est un homme déçu? J'ai comme pour philosophie des vies de ne jamais échouer. De la déception. Compte tenu de votre parcours, il a été dit dans le portrait tout à l'heure que vous avez commencé très tôt avec Antoine Gizenga, la primature, communication, ensuite Mouzito, ensuite élu, très actif, et vous faites partie des cadres du PALU qui sont plutôt très bien formés avec l'embonpoint, etc. Mais quand on fait les choix des gens qu'on doit nommer, ministre, ADG, etc. Pourquoi on ne parle jamais à Patrick Mouyaya? Vous savez, Jean-Marie Kassamba, le pouvoir est toujours à conquérir. J'ai 38 ans, je ne suis pas pressé parce que je considère qu'être élu deux fois relève d'un miracle et je crois que mon mandat parlementaire me suffit et j'essaie de faire du mieux que je peux parce que Gizeng est devenu Premier ministre, il avait 80 ans. Qui l'aurait parié? Qui l'aurait pensé? Je n'ai jamais fait de poste politique une fixation et surtout que parfois, le mot d'accès à ces postes politiques est le résultat de plusieurs intrigues. On passe par de voies détournées, on veut faire des militantismes accrus et on veut mettre à côté les compétences parce que, fort malheureusement, on a une certaine culture. Moi, je me définis
comme étant de la nouvelle génération politique où les postes politiques doivent être les résultats d'un combat, d'un engagement. Et quand vous n'y arrivez pas pour plaire. Je vais poser la question directement. Mais vous y arrivez en train de contourner ma question. Je ne contourne aucune question. Je ne suis pas déçu, monsieur Jean-Marie. Je la repose, ma question. Pourquoi les gens du PALU ne vous ont jamais mis sur leur liste lorsqu'ils déposent dans la répartition? Je crois que c'est une question qu'il faut leur poser parce que je ne suis jamais dans ces messes-là et jamais vous ne m'avez entendu un seul jour revendiquer un quelconque poste parce que j'inscris ma carrière dans une dynamique continue. Il y a des moments où les choses vont dans un sens ou dans un autre, mais je considère que j'ai le poste le plus confortable possible parce que nous juste sommes... Juste député, Député, c'est pas peu. Vous savez que je suis pressé sur le ministre. Même si en termes de revenus ou d'imaginaire collectif, c'est pas la même chose, mais être député, c'est prestigieux. Porter la voix des millions de Congolais à travers le pays, il n'y a rien de plus prestigieux. Il y a une des questions qu'on m'a envoyée ici qui dit Patrick Mouyaya, il est aigri depuis 2013-14 et c'est pour ça qu'il était devenu aigre douce. Ai-je l'air d'un aigri? Monsieur Jean-Marie Kassamba, comptez le nombre de fois que vous m'avez reçu sur votre plateau. Comptez le nombre de fois que vos journalistes m'ont interviewé. Je suis très avare en interview. Non pas que je n'ai rien à dire, mais parce que j'ai fait une économie de ma voix, parce que c'est nous qui allons porter l'avenir de ce pays pendant les 30-40 ans. Rien ne sert d'être pressé, il faut partir à point. Moi, je ne suis pas un aigri, je ne laisserai pas. Les journalistes ont dit sur ce plateau dans Club 50 que, on en parlera largement tout à l'heure quand on va parler des 13, que la caractéristique des 13, ce sont les aigris hors poste qui ont quasiment tout raté et ils veulent se donner l'étoffe ou l'enveloppe des gens à positionner pour les rendez-vous à venir. Mais regardez... Est-ce que depuis 2012, 13, 14, 15, votre militantisme, notamment dans ce qu'on a appelé le mouvement jeune anti-troisième mandat, ce n'était pas dû à ce manque de poste. Le problème, je n'ai jamais, moi, milité anti-non. Parce que Jean-Marie Kassamba, il faut qu'on redéfinisse notre définition de la politique. Moi, j'ai décidé de venir faire la politique pour justement essayer de changer les choses. Ce n'est pas très évident parce que moi, je suis déçu de la réalité politique telle que je l'ai découvert, mais il faut entrer dans les systèmes, le comprendre, voir comment on va les changer. On vit une politique de calomnie, d'intrigue. Moi, j'appelle ça comédie congolaise. Et d'ailleurs, je ne sais pas si vous avez lu, j'ai fait une tribune sur le 60 ans de l'indépendance où j'ai listé un peu ces travers que nous avons reproduits à travers l'histoire. Le problème du Congo, c'est la culture. Je vais vous donner un exemple parce que vous connaissez bien le président Kabila. Peut-être que vous avez réalisé cette interview. Il a dit qu'il n'a pas réussi à changer l'homme congolais. Oui, c'est moi qui l'ai fait. C'est vous qui l'avez fait. Mais est-ce que vous sentez le poids de la sincérité de cette phrase? L'homme congolais que le président Kabila n'a pas réussi à changer a été façonné par qui? Par des années mobutistes. Les années mobutistes, c'est quoi? L'homme politique, il est friand de gloire et d'honneur. L'homme politique, il verse dans les népotismes. L'homme politique ne trouve pas des solutions. Vous n'êtes pas comme ça. Ne trouve pas des solutions pour les peuples. Vous n'êtes pas comme ça. Vous pouvez vous renseigner. Le reportage a dit que j'ai resté à Bandal. Moi, je suis pas. Et c'est peut-être là mon problème, parce que les gens me reprochent de ne pas m'engager, de ne pas faire tel propos. Moi, je peux pas passer à la télé et commencer à encenser des individus pour dire tel est beau, tel est intelligent, tel c'est les meilleurs. Revenons au bout du compte. Je crois que la réponse à cette question, elle est importante. Laquelle? Parce que anti-troisième mandat, vous l'étiez, n'est-ce non, pas? Non, le problème, ce n'est pas être anti-troisième mandat. Le problème, c'est de se dire le principe. Parce que vous savez, Jean-Marie Kassamba, les hommes politiques ne valent que dans l'histoire. Quand vous êtes homme politique dans les temps présents, il ne faut jamais forcer votre entrée dans l'histoire. Je crois que le président Kabila, beaucoup de gens qui l'ont fréquenté ne l'ont jamais compris. Vous, sûrement, un peu mieux. Mais moi, je crois avoir un peu compris la philosophie de l'homme, du président Kabila, parce que lui-même ne s'est jamais revendiqué être d'un troisième mandat. Il y a eu des contraintes d'ordre sécuritaire qui n'ont pas permis que les élections se tiennent dans les délais. Il y a eu des chantres de djalélistes, comportements, justement, que le président Kabila n'a pas pu changer. Des gens qui ont voulu l'entraîner sur une dynamique là. Mais vous avez vu, c'est que le président Kabila a scellé le 24 janvier 2019. Depuis 1960, on n'a jamais vécu un tel événement. Nous, qui avons été témoins de cet événement, nous lui rendrons toujours les honneurs qu'il mérite. Et aujourd'hui, quand on évoque le nom du président Kabila,
Je vous épargne parce que les gens risquent de dire je fais du Jalelo, mais je crois qu'il faut rendre à César ce qui lui est dû et à Jean-Marie Kassama. Il vous suit. Parlons maintenant de l'actualité partie Mouyaya. On l'a annoncé dans la thématique d'ailleurs. On a l'impression que vous, cadre du PALU, vous êtes en train de liquider en moins d'un an, en moins de deux ans d'ailleurs, que Antoine Gizeng est parti, moins de trois mois que son fils est parti, vous êtes en train de liquider son parti des années 60. Il est parti en exil avec, il est revenu, il a été vraiment martyrisé par Mobutu, il n'a pas trahi, il a travaillé avec Joseph Kabila sans trahir, il est mort, et aujourd'hui, vous disputez le PALU. On ne liquide pas son parti parce que c'est notre parti à tous. Juste cette petite rectification. Merci beaucoup et je pose ma question maintenant. Qui a la paternité, ou plutôt, que disent les textes du PALU concernant la succession et la gestion de ce parti? Je crois que Jean-Marie... Simplement. Jean-Marie Kassama, je veux vous répondre. D'abord, il faut savoir que le PALU est un patrimoine national. Parce que c'est les plus vieux partis politiques du pays. Oui, d'accord. Et même nous, les membres du PALU... Ces partis-là ne nous appartiennent pas à nous seulement. Nous avons un devoir d'exemplarité parce que nous, on a eu un leader qui a fait 40 ans de constance dans sa lutte politique. Nos intérêts individuels ne doivent pas supplanter les intérêts collectifs. Parce que c'est ce qui se passe aujourd'hui. Et c'est vraiment dommage que nous n'ayons pas encore fini de faire les deuils de notre secrétaire permanent adjoint, ad intérim, Luigi Gizenga, que l'on soit en train de nous déchirer. Moi, je me pose la question. Si Gizenga doit revenir à la vie aujourd'hui, comment il réagirait quand il verrait certains d'entre nous se battre pour des choses avec les combats, la police? Non, ça sert à rien. Tout ça, Kassamba, vous savez, parce que les gens versent dans des juridismes. Je peux comprendre que les uns et les autres aient des ambitions et qu'ils veuillent satisfaire derrière cette machine commune qu'on appelle le PALU. Mais il ne faut pas tuer la machine, il ne faut pas la discréditer. Le siège du PALU se trouve à Matete, et dans ce que je sais, il y avait une mise en place organisée par le patriarche lui-même avant sa mort, qui fixait, on avait un secrétaire permanent qui était Luigi Gizenga, paix à son âme, il avait cinq adjoints, l'adjoint président c'était Godefroy Mayobo, point barre. Je ne vois pas pourquoi... Et d'une manière simple et synthétique, c'est Mayobo qui devait prendre la succession. Mais bien sûr. Il n'y a pas de polémique. Pourquoi il est contesté par l'autre camp? Non, il faut leur poser la question. Je crois qu'il y a un problème d'intérêt. Parce que certains, ils estiment, et c'est pour ça que j'ai fortement réagi cet après-midi, lorsque j'ai vu un média comme le vôtre passer la bande passante disant que le PALU a été acheté par cash par le groupe de Mayobo. Justement, parlons-en. Mais ceux qui le disent ne connaissent pas l'histoire. Parlons-en directement. Ceux qui le disent ne connaissent pas l'histoire. On vous reproche, vous Mayobo, même Ida et les autres. Je ne suis pas dans un combat partisan pour un intérêt. Mais vous pouvez poser la question parce que collectivement, en tant que cadre du PALU, j'encaisse. Vous êtes en train de glisser vers le cash parce que vous avez entendu le bruit qu'on est en train de refaire la majorité, on est en train de siffler grignoter quelques majorités du FCC. Bah, tu as déjà fait le premier pas, timidement, ou plutôt avec une certaine constance, et que Mayobo, vous et les autres, vous êtes en train de livrer PALU au cash. Il faut avoir le sens. Moyennant peut-être des postes, il faut avoir le sens de l'histoire. Quelques billets de banque. Je suis désolé que beaucoup de gens n'aient pas le sens de l'histoire parce que je me réserve de faire un comeback pour vous raconter toutes les péripéties des conflits idéologiques ou des conflits que nous avons eu avec l'UDPS. En 2011, on a enterré 16 militants du PALU après des conflits avec l'UDPS. Absolument. Et aujourd'hui, ceux qui pensent que le PALU ou un groupe ou des députés du PALU vont aller au cash, alors ils ne connaissent pas comment... Mais par manque de leadership. Non, ça veut dire que ces gens-là ne comprennent pas comment fonctionne l'Assemblée nationale. Vous achetez ou la majorité FCC, on va acheter des gens à qui et à quel prix? Vous connaissez Godefroy Mayobo, qui va l'acheter pour lui donner combien? Martin Kaboulou, je n'aime pas faire des débats d'individus parce qu'ils n'avancent pas, mais je veux vous donner l'exemple de Martin Kaboulou. Martin Kaboulou, vous pensez que Martin Kaboulou peut trahir Joseph Kabila, qu'il a gardé 10 ans au pouvoir, pour aller où? Qu'est-ce qu'on va lui donner de l'autre côté? S'il faut parler en termes de positionnement. Godefroy Mayobo consulte ou saisit
le ministre de l'Intérieur, en tant qu'individu, c'est ça ce que disent l'autre camp, en tant qu'individu. Et on lui répond en tant qu'individu en prenant acte qu'il est secrétaire de votre parti, alors qu'il n'y a jamais eu de nomination. Mais monsieur Jean-Marie Cassava, il y a viol de vos textes. S'il vous plaît, je ne voudrais pas faire du juridisme ou tenir des propos qui feront que des gens viendront et venir demain pour faire comme s'il y avait un conflit au sujet du palais spécifique. Qui a désigné Malogo? J'observe qui? Simplement. Oui. C'est Gizenga qui l'a désigné. Les bureaux politiques dans un parti politique, c'est comme les cerveaux. Il y a un organe des directions qui s'appelle les secrétariats permanents. C'est les secrétariats permanents qui gèrent le parti au quotidien. Et c'est à ces titres que Luigi Gizenga gérait les partis. Il ne faut pas qu'on verse dans les juridismes. Ce n'est pas là-bas qu'on va trouver le plus important. Aujourd'hui, moi j'ai vu le Palou. Je connais le Palou plus que beaucoup de ceux qui font du bruit ici. Parce que j'ai commencé à couvrir le Palou. J'avais 23 ans, j'en ai 38. Ça fait 15 ans que je connais les Palous. J'ai adhéré au Palou, ça fait 10 ans. Ce n'est pas parce que je n'ai fait pas beaucoup de bruit comme d'autres que je n'ai pas le sens de l'histoire. Aujourd'hui, il faut qu'on fasse attention. Parce que le Palou de 2006, le Palou de 2011 et le Palou d'aujourd'hui, nous sommes plus faibles. Aujourd'hui, si nous voulons être forts dans l'alliance que nous avons avec nos amis du FCC, nous devons nous réunir, nous ressouder. Nous avons connu des stratégies, des éléments tristes. Je n'entre même pas dans ces débats des juridismes parce que dans l'interprétation du droit, on voit que ceux qui ont tort peuvent parfois avoir raison et vice-versa. Je ne voudrais pas rentrer dans ça, mais aujourd'hui, nous tous, on doit nous mettre à l'évidence parce que cette machine-là est en train de mourir. Ces symboles-là qui incarnent l'histoire politique du pays est en train de mourir. Parce qu'il y a des individus, de quel bord qu'ils soient, qui pensent que leurs intérêts doivent primer sur l'intérêt collectif. Et d'ailleurs, pour ça, je crois que le président Kabila a un rôle à jouer, parce que je crois qu'il considérait le patriarche comme son père et qu'il ne peut pas laisser mourir l'œuvre de son père. Parce que lorsqu'on commence à rentrer dans la calomnie, à dire que certains vont aller au cash, mais quoi faire, Jean-Marie Kassamba? Les FCC disposent d'une majorité largement confortable. Mais les relations tous les députés sulfureuses que vous aurez entretenues avec le ministre de l'Intérieur, je parle de moi, je ne connais pas le ministre de l'Intérieur, je ne l'ai jamais rencontré dans son bureau, je ne sais pas où ça se trouve, je ne connais pas son numéro de téléphone, vous pouvez lui poser la question. Je crois qu'il faut qu'on arrête de porter ces débats là à ce niveau. Les problèmes n'est pas ni au niveau du ministre de l'Intérieur. Le problème, c'est en interne entre nous. Parlons-en, sauvons la machine du parti Lumumbiste unifié parce que c'est une machine qui reflète l'histoire politique du pays. Willy Makiachi, Didier Mazenga, Godefroy Mayobo, tous les cadres-là, de quel bord qu'ils soient, ils ne seront jamais forts en étant dans la division. On est fort que quand on est unis, et je crois que nous devons nous aligner. Qui nous a été envoyé tout à l'heure cet après-midi par les gens de Bruxelles, parce que Gizeng est passé par Bruxelles avant d'aller à l'Est. Gizeng a fait de vous des hommes riches. Quand je dis vous, c'est les gens du peuple. Certains ont gardé. Attendez que je pose ma question. Il a fait de vous des hommes riches. Certains sont restés 10 ans ministres, d'autres premiers ministres comme Mozito, d'autres ministre d'État comme Mayobo, ministre Prêt, etc. Expliquez-moi comment, d'après mes informations, et après ces questions qui nous parviennent des gens, lorsque Gizenga meurt, vous n'étiez pas capable, vous, des gens du Palu, qui avez amassé de l'argent, de lui offrir un mausolée. Non, je crois que ceci relève d'une question de bon sens. Parce que on a fait, nous tous, des contributions. Mais vous savez, Jean-Marie Kassamba, je plains l'homme politique congolais. Je ne voudrais pas rentrer dans le détail pour aller faire le procès aux uns aux autres. Et comment c'est, Félix Tshisekedi qui vient à peine offre un mausolée à Gizenga, à peine, il n'a même pas trois ans. Parce que moi j'ai fait cette démarche, parce que je crois que le patriarche Antoine Gizenga mérite de la nation. Il mérite pas seulement de son parti. Il faut pas réduire la dimension. Là, c'est le président de la République. Il faut pas, non, pas du tout. Parce que le patriarche Antoine Gizenga, il faut pas oublier qu'il a été décoré au cinquantenaire. Il ne faut pas oublier que c'est parmi les pionniers de l'indépendance. Il ne faut pas oublier que c'est un patrimoine. Oui, il faut cesser de voir le côté partisan dans tout. Moi, j'ai paix à son âme, j'ai demandé audience au président de la République parce que j'estimais
j'estimais que ce n'était pas bon pour l'image du pays d'avoir à côté le mausolée du président Tshisekedi et à côté ce que nous avions pour le patriarche Antoine Gizenga. Je pense que le patriarche Gizenga mérite de cette patrie et c'est à ces titres-là qu'avec le camarade Lougui, nous avons vu le président Tshisekedi, c'est à ces titres-là que les trésors publics, c'est pas de l'argent du président. Vous avez failli. C'est les trésors publics. Avez-vous fait des millions que vous avez fait gagner pendant plus de 10 ans? Moi, j'ai pas posé la question à ceux-là. Il ne faut pas avoir cette conception des millions, cette conception d'argent, parce que ça, c'est destructeur. Quand on nomme, c'est cette conception de la politique qu'il faut bannir. C'est pour ça que moi, je parle. Il faut nous briser pour nous reconstruire. Quand on vous nomme, ce n'est pas pour vous enrichir. Mobutu avait raison, alors, en disant c'est servir et non c'est servir. Quand vous allez dans des responsabilités politiques, vous allez servir la République. Vous n'allez pas gonfler vos poches. Parce que si ces procès-là que vous faites, ne les faites pas seulement au Palou. J'ai pas besoin de vous rappeler ce que disait Laurent Désiré Kabila disait de l'AFDEL. J'ai pas besoin de vous donner d'autres chapitres. C'est l'homme politique congolais le problème. Parce que l'homme politique congolais, le pouvoir signifie gain d'argent, signifie gloire et honneur, signifie jamais servir le peuple. Et c'est cette conception qui 60 ans après garde le pays. Vous êtes un peu moraliste du coup. Je ne suis pas moraliste. Attendez, c'est comme ça que je conçois la politique. Attendez. Est-ce que vous savez que le Palu a déçu sa base? Lorsque le Palu était le parti de masse, de petits peuples, ceux qui marchaient à pied, qui quittaient Kinshasa jusqu'au centre-ville, ceux qui venaient avec des drapeaux, je vais poser ma question. Et lorsque vous avez été transformé en bourgeois de la Gombe, avec des grosses jupes fumées, je ne parle pas de vous personnellement, je parle de votre parti, où il y avait une classe de dirigeants en jet privé et qui ne voyaient plus ses mamans et ses papas qui venaient de Massina et de Kinshasa avec leurs 1000 francs. C'est ce qui a fait qu'aujourd'hui, c'est ce que vous avez appelé l'effritement du parti et que vous aurez du mal à reconquérir ces gens. Je ne suis pas du tout de votre avis, Jean-Marie Kassamba, parce que tout simplement, lorsque vous êtes dans l'opposition, et nos amis de l'UDPS font l'expérience aujourd'hui, vous êtes un parti de masse. Ce n'est pas la masse qui arrive au pouvoir. Oui. Lorsque vous arrivez au pouvoir, c'est pour gérer l'appareil. Mais vous avez quitté le pouvoir sans transformer ces gens-là. Laissez-moi vous répondre. Ils sont restés dans leur misère et en marchant toujours à pied. Laissez-moi vous répondre, s'il vous plaît. Parce que vous posez des questions pertinentes avec plusieurs aspects. Répondez. Mais vous ne me donnez pas le temps de répondez vous répondre. Répondez qu'on ne me le reproche pas. Lorsque vous êtes militant d'un parti comme le Palou, parti de masse, vous arrivez au pouvoir, ce n'est pas toute la masse qui va au pouvoir. C'est une partie de la masse qui va au pouvoir. Et lorsqu'un parti comme le Palou conquiert le pouvoir, l'objectif, c'est le peuple vaincra. Mais lorsque vous arrivez, vous regardez les tableaux de bord du pays. Régler les problèmes du Congo, ce n'est pas en 5 ans, ce n'est pas en 10 ans de mandat. Vous pouvez régler les problèmes de certains individus qui commencent à gagner de l'argent parce qu'ils sont payés travail pour l'État, mais vous ne pouvez pas caser 100 000 personnes parce que vous êtes devenu Premier ministre ou Président de la République. Vous ferez comment? C'est parce que nous avons... Mais des gens qui se sont enrichis, eux, ils se sont enrichis. Non, le problème, je ne crois même pas que dans notre contexte, on peut parler des gens qui s'enrichissent parce qu'il y a toujours un nivellement vers les bas, de gens qui viennent demander les frais des Minerva, les consorts. Vous n'êtes pas en mesure de vous suffire. Mais l'idée ici, Jean-Marie Kassamba, et c'est même là la tâche que nous, cadre des partis politiques, nous devons collectivement faire. Les gens ont une très mauvaise conception du pouvoir. Quand vous arrivez au pouvoir, vous êtes censé régler des problèmes de tout le pays. Vous n'êtes pas président de la République pour l'UDPS. Vous n'êtes pas Premier ministre que pour les militants du Palou. Vous travaillez à améliorer, parce que les militants sont censés être partout. Ils sont censés être agents chez Télé 5 ans, dans d'autres endroits. Vous vous assurez que Jean-Marie Kassamba, là où il est, il gagne suffisamment de moyens pour bien payer les militants du Palou qui se retrouvent. Et vous entrez, parce que l'État partout ailleurs se décline à travers des services, notamment sociaux. Vous assurez un accès gratuit à l'éducation, un accès à la santé, un accès au transport, un accès à la justice, un accès à la sécurité. C'est cela le travail d'un État. Vous ne devenez pas Premier ministre et vous censez régler les problèmes parce que vous n'aurez jamais assez des moyens. Vous restez journaliste et vous savez que nous sommes en direct. On privilégie les directs. Essayez d'envoyer vos questions au fur et à mesure, mais on ne posera pas toutes les questions parce qu'il y en a ici une trentaine. Mais il y a quelques questions qui tombent là en direct. Il y a Marcel Katanga qui est à Libreville au Gabon qui dit quelle a été la décision du bureau politique juste après la mort de Lui.
quelle décision du bureau politique? Il n'y avait pas des décisions que le bureau politique devait prendre après la mort. Parce que la mort arrive... Est-ce que le bureau politique s'est réuni après la mort? La mort arrive, elle nous surprend. Les bureaux politiques, qui le convoquent? Les bureaux politiques ne siègent pas de soi. Qui est habilité pour convoquer les bureaux politiques? C'est les comités exécutifs qui est dirigé par les secrétaires permanents. Oui, bien sûr. Il ne faut pas aller dans ces débats-là de juridisme. Parce que je me rends compte que Jean-Marie Kassamba, excusez-moi, ce n'est pas ces débats-là qui vont nous faire avancer. Vous voyez, depuis 1960, les débats politiques ne tournent qu'autour de ça. Les juridismes, on peut laisser aux doctrinaires. Vous saviez que François Mitterrand était avocat, mais beaucoup ne le savaient pas. Pourquoi on ne peut pas faire une politique où on discute démographie, où on discute éducation, où on discute de politique culturelle, où on discute de sport? On va perdre le temps à parler de querelles qui vont finir parce que des individus veulent s'exprimer. Il y a Jacques Aconde qui est à Marseille, en France. Il dit, le député Palu qui est sur le plateau, oui, Patrick Mouyaya, peut-il nous dire du congrès du parti, pourquoi ne pas attendre le congrès pour désigner... Mais c'est même cela le bon sens. C'est pour ça que j'invite mes camarades les uns les autres à s'aligner, parce que le congrès était en préparation du vivant du permanent Le Guy. C'est le congrès qui est l'organe suprême qui décide de tout. On ne peut pas nous canarder... Parce que ce sera, que ce soit les uns ou les autres, ce sera pour 3 ou 4 mois. Ce sera jamais suffisant si vous avez des calculs de positionnement. Parce qu'il faut le congrès, il faut doter les partis et faire fonctionner les partis avec toutes ces structures. Je crois qu'aujourd'hui, Jean-Marie Kassamba, il faut privilégier des questions qui vont aller dans l'essence de nous unifier, qui vont aller dans l'essence de nous solidifier. Parce que pour moi, il n'y a que trop de divisions. Laisse-moi terminer avec Joseph qui est de Johannesburg, en Afrique du Sud. On pense à vous, hein, les gens de Johannesburg, avec la Covid qui fait vraiment beaucoup de dégâts là-bas. Il dit, c'est une déception pour nous, ces grands partis, Gizenga, si Gizenga était en vie, les choses seraient-elles, allaient se passer de cette manière? Pas du tout, je vous l'ai dit au début de mon propos, parce que Gizenga, c'est la discipline, c'est la constance. Les linges sales, Jean-Marie Kassamba, c'est linge, c'est lave en famille. Lorsque dans une famille, les enfants se battent et qu'ils l'exposent, comme ça, c'est contre-productif, c'est détruire toute la machine. Pourquoi on détruit la machine? Parce que les uns les autres ont des intérêts. Les intérêts d'individus ne peuvent pas supplanter les intérêts collectifs. Maintenant que le vice-premier ministre a adoubé, vous récusez ça, vous dites c'est normal, Godefroy Mayobo, tout s'est mis en place, vous allez rester comme ça jusqu'au congrès. Le problème, ou bien le camp de Macache et les autres, ils vont à l'injustice contre vous. Le problème, d'abord, il faut... Contre vous, il faut cesser de présenter les choses de cette manière, parce que malheureusement, j'ai toujours eu l'impression que le journaliste ravivait la polémique et s'est plaisé dans la polémique. Je pose les questions. On ne construit pas dans la polémique. Il y a moyen d'orienter les questions différemment, mais ça, c'est une autre question. Aujourd'hui, le problème, ce n'est pas que le ministre de l'Intérieur a donné raison à tel camp contre un autre. On dit qu'il n'a pas que... Non, le problème aujourd'hui, le Palou vaut quoi dans l'opinion? C'est quoi le poids politique du Palou aujourd'hui? Mais ça, c'est votre travail à vous. Non, Jean-Marie, mais justement, pour arriver... Si vous ne respectez pas les textes, ça va s'empirer. Non, pour arriver à faire ces travails-là, il faut qu'on soit en mesure d'être unis. Il faut qu'on soit... Moi, je suis de ceux qui pensent qu'il faut nous transcender. Il faut nous surpasser. Il faut nous dépasser. Par dépassement, j'entends sacrifice, y compris des intérêts individuels. Il faut que les uns et les autres qui sont dans cette position-là se disent, mais mon Dieu... Si Gizenga revenait en vie aujourd'hui, dirait quoi de moi? Si Lougui qui est mort, il n'y a même pas de moi. Nous sommes encore le cœur meurtri, mais que les gens s'effourvoient dans un tel combat et qu'on ait les talents publics et que Jean-Marie Kassamba consacrait 10 à 15 minutes de l'émission sur ça, c'est déplorable. On aurait pu parler des choses plus intéressantes. Eh bien, parlons d'un amenant. On a bouclé, on va attendre l'épisode suivant avec... J'espère que le prochain épisode sera un épisode de réunification. On va voir. Où le fils de Gizenga en vie, qui s'appelle Joseph Kabila, prendra l'initiative de dire, voilà, sauvons ces patrimoines communs. Il vous suit. Patrick Mouyaya, on a terminé peut-être provisoirement avec le Palu, mais on entre dans une autre polémique maintenant. C'est ces groupes des 13 parlementaires qui sont sortis, on va dire... comme ça, dès l'inconnu. Il n'y a aucune polémique d'abord, M. Jean-Marie Kassamba. Est-ce que vous pouvez me laisser poser ma question? Je vous en prie. Nous avons des institutions, dont vous faites partie d'ailleurs, l'Assemblée nationale. Bien sûr. Qui vous a donné mandat, Patrick Mouyaya, vous et vos amis, le Kondo,
C'est Sangha. Mais dit comme ça, attendez, un peu réducteur. Pourquoi vous ne me laissez pas poser ma question? Allez-y. Qui vous a donné le mandat de déserter le Parlement, commencer à aller tenir des réunions en dehors du Parlement, susciter des questions sur la réforme ou les réformes au pluriel des élections, agiter les chiffons rouges, si on ne le fait pas, ça va brûler, etc. Pourquoi vous n'avez pas fait comme Félix Tshisekedi, le président de la République, avait demandé à son époque, quand il commençait à surfer par là, il s'appelait Fayoulou, qu'il avait une idée pour un cadre consensuel, pour discuter des choses qui bloquent les... Il a dit, si vous avez des idées, monsieur, vous êtes député, allez proposer au Parlement, nous allons aviser. Pourquoi vous n'êtes pas resté au Parlement pour parler de tout ça, proposer à votre plénière, et puis, ma foi, qui serait ça dans le mur du Parlement? Vous dites... Le temple, comme le dit Minako, demandez au président Minako, il vous dira que ces vocables sont venus de moi. Parce que j'ai préparé sa campagne, son élection, justement, du bureau provisoire. J'ai donné une âme à la RTNC. Autant pour vous. J'ai donné une âme à la RTNC3. Vous vous souvenez, tous ceux qui regardaient la RTNC3 à l'époque vous diront le contenu programmatique que nous y avons mis, parce que je crois qu'il y a un grand fossé entre le travail du parlementaire et la perception qui de la population. Qui est derrière vous, vous avez posé plusieurs questions. Non, la première. Vous avez pris. Pourquoi vous avez déserté le Parlement? Non, si. La deuxième, qui est derrière vous? Laissez-moi vous répondre pour vous édifier, et comme ça, vous nous aiderez à taire la polémique. À vous. On n'a pas besoin que quelqu'un soit derrière nous. Et on n'a jamais déserté le Parlement. Jean-Marie Kassamba, ce n'est pas moi qui dis, Boma député Tika policier, entre guillemets, je ne fais pas l'apologie de la violence, mais c'est une phrase qui a été dite. Oui, mais c'est une phrase. Laissez-moi terminer. Il y a quelqu'un qui n'aime pas la polémique. Laissez-moi terminer, s'il vous plaît. Oui. Laissez-moi terminer ma réponse. Parce que j'ai beaucoup entendu ces choses. Nous, dans le cadre du groupe dans lequel nous sommes, on n'est pas que de parlementaires. Nous avons M. Daniel Moukoko, nous avons Mme Magnarich qui sont... Badiembeli. Non, il n'y a pas de problème. Badiembeli. Vous avez... Et puis on dit de vous, allez continuer. C'est réducteur. Et on dit de vous, laissez-moi vous répondre. Ce sont les gens sans emploi et qui sont aigris et qui veulent se donner de l'emploi. Laissez-moi vous répondre. C'est très réducteur. Qui vous a donné le mandat? D'abord, c'est très réducteur que vous nous présentez comme des aigris. Daniel Moukoko Samba, ancien vice-premier ministre, ministre du budget, ancien directeur général de l'ONATRA, professeur d'université, ancien. Il a travaillé dans le monde entier. Ancien. Il faut cesser d'avoir cette façon de caricaturer, parce que c'est pour ça que ces pays n'avancent pas. Parce que lorsque vous pensez que les gens émettent des avis que vous ne partagez pas, vous voulez les accuser de tous les noms du diable sans aller dans le fond. Jean-Marie Kassamba, cette initiative, on n'a pas besoin que quelqu'un nous donne le mandat. On a pris le mandat nous-mêmes parce que nous sommes de Congolais. Pour commencer. Et vous tous, vous êtes témoins que le fonctionnement des institutions est paralysé parce qu'il y a des conflits entre le partenaire au pouvoir. Vous êtes témoins. Vous êtes témoins de voir que, vous savez, le pouvoir n'est qu'une affaire de symbole. Aujourd'hui, que restait-il du palais du peuple? Nous avons perdu un collègue. Parce que il y a eu tout ce qu'il y a eu comme mouvement, il y a eu des pressions. Laissez-moi vous répondre. C'est pas de votre présidente a dit on va saisir la justice, etc. C'est pas de ma compétence. Et vous sortez peut-être qu'il a fait, je ne suis pas au courant. Oui. Non, on n'est pas sorti du lot parce que les débats. Non, Jean-Marie Kassamba, parce que les débats que nous portons, mais tout le monde en parle. Qui ne parle pas des réformes électorales? Tout le monde en parle. La question électorale, Jean-Marie Kassamba, faisons attention, la question électorale ne concerne pas que ceux qui sont dans les institutions. La question électorale concerne la maman du coin, concerne le papa qui vend des beignets à 10 euros. Il ne faut jamais dire que c'est trop tôt, Jean-Marie Kassamba, parce que si nous voulons tirer les leçons de l'histoire récente de notre pays, notamment les événements qui ont entouré la fin du mandat du président Kabila, nous devons prévenir. Nous sommes dans une démarche d'anticipation. Vous avez à juste titre rappelé que je suis votre collègue au Collège de hautes études des stratégies et des défenses. On nous a appris ce que veut dire l'anticipation. Pourquoi il faut anticiper? Parce que beaucoup de jeunes ne le savent pas, mais enrôler les jeunes congolais de la période de 2016 à 2023, c'est 14 millions de jeunes. Ça coûte 600 millions de dollars. Je vous donne des chiffres. Aujourd'hui, on a remarqué qu'il n'y avait pas assez, il n'y avait pas de sérénité pour aborder cette question. On ne va pas passer ces mandats
que dans le querelle et dans la rue. Vous savez qu'il n'y a pas de succès sans successeur. Ceux qui pensent que si le président Tshisekedi échoue, ça va faire les affaires du président Kabila, ils se trompent. Parce que le président Kabila, plus que tout le monde, lui qui est le parrain de la démocratisation dans ce pays, a besoin de voir que le Congo continue d'avancer. On peut se quereller, on peut avoir des divergences, mais il ne faut pas toucher au socle. Et aujourd'hui, c'est que... Laissez-moi terminer. Laissez-moi terminer, s'il vous plaît. Vous allez continuer. Allez-y. Vous êtes en train de m'endormir. Je ne vous endors pas, je vous reprends. Vous êtes en train de charmer ceux qui nous suivent. Auquel cas, je vous laisse répondre aux questions. Non. C'est vous qui répondez, mais j'ajoute... Les questions sont votre réponse. J'ajoute cette précision. Calmement. On dit de vous, 13, on vous a recruté. Par qui ? Bon, les services américains. Et les services américains vont nous recruter pour faire quoi ? On vous a recruté pour jeter l'hameçon dans l'arène politique pour rattraper qui ? Ben, ceux qui n'ont pas été de la course. Non, mais... Attendez que je pose ma question. Oh là là ! Rattraper qui ? Jean-Pierre Bemba, rattraper, d'abord, il vous a reçu. Rattraper Moïse Katumbi, rattraper Mouzito, et dans ce que vous allez appeler dialogue, et puis la question que j'ai reçue... Non, on parle pas de dialogue, Jean-Marc. La question que j'ai reçue, on me dit, mais ce qui va sortir de l'ère dialogue potentiel, ça aura quelle force Laissez-moi Laissez-moi terminer. Ça sera validé par qui? Laissez-moi terminer, s'il vous plaît, Jean-Marie. À vous. C'est parce qu'au Congo, on n'a pas la culture de la transcendance ou du dépassement. Je suivais le président Macron après avoir nommé Jean Castex. Il a expliqué que ce qui les guide, c'est l'essence du dépassement. Et qu'il s'appuyait sur des femmes et des hommes qui avaient le sens de la France. C'était très beau de voir ça ailleurs. Ici, chez nous, il faut qu'on soit... honnête et sincère. Jean-Marie Kassamba, je m'exprime très peu dans les médias parce que si je devais m'exprimer tout le temps, j'aurais beaucoup de problèmes. Je suis un peu extrémiste dans ma perception de la politique. Aujourd'hui, on ne peut pas se voiler la face. On ne peut plus tenir de manière sereine des débats à l'Assemblée nationale. Les débats à l'Assemblée nationale sont perturbés. Je note, vous voulez m'entraîner dans la polémique. Je pense qu'on ne construit pas. C'était un exemple illustratif. Oui. Aujourd'hui, les députés sont en insécurité. Et pourtant, il n'y a aucun politique dans l'ordre organisationnel des choses qui est proche du peuple comme les députés. Et vous savez que c'est les 13 Laissez-moi terminer, Jean-Marie Kassamba, parce que vous posez des questions pertinentes, vous évitez que je réponde. Auquel cas, vous faites le relais de tous ceux qui propagent cette fausse polémique autour de notre initiative. Oui. Nous avons décidé de nous transcender, parce que la finalité de notre travail, c'est aux institutions. Qui plus que nous peut comprendre qu'une loi, pour qu'elle devienne loi, elle doit passer par le gouvernement qui donne ses avis, si c'est pas un projet, elle doit passer par le Parlement, par le Sénat, et puis être promulguée par les présidents. Mais c'est à juste titre d'ailleurs que quand nous avons commencé notre démarche, nous avons d'abord commencé par voir le président de la République, le premier ministre, le président de la CENI. Nous aurions pu voir la présidente de l'Assemblée aujourd'hui, mais elle a quelques soucis de santé, on n'a pas pu. On la verra cette semaine, on verra le président du Sénat. Nous faisons un travail de réflexion. Nous voulons, avec toutes les parties prenantes, parce que nous pouvons nous transcender, nous mettre d'accord. Pourquoi vous avez deux handicaps? Laissez-moi déjà terminer. Vous continuerez, vous avez la parole, vous êtes l'unique invité. L'IDPS ne veut pas de votre affaire. Le FCC a publié un communiqué très sanglant. Je ne pense pas que le communiqué du FCC... d'avance. Non, Jean-Marie Kassamba, je ne pense pas que le communiqué du FCC est très sanglant. Il ne faut pas toujours aller à l'extrême. Laissez-moi terminer, s'il vous plaît. Terminé. Parce que je suis en train de vous dire qu'il n'y a aucune initiative que nous allons porter qui ne peut avoir de conséquences pour le peuple sans passer par les institutions, sans revêtir le sceau institutionnel. Alors arrêtez de nous déifier ou de penser que nous avons un pouvoir de magicien de remettre au pouvoir ceux qui n'ont pas pu gagner par les élections. Jean-Marie, j'aurais voulu avoir ces pouvoirs, nous ne l'avons pas. Ici, nous sommes en train de réfléchir et je suis content de voir qu'on a recentré les débats politiques sur ces questions parce qu'il faut vider. Notre démarche vise tout simplement, M. Jean-Marie Kassamba, à avoir une certaine sérénité, à récolter, à avoir des avis des uns des autres sur une discussion strictement électorale. Et nous voulons profiter à la rentrée de septembre, si nous arrivons à récolter tout ce que nous avons prévu. Vous ne me posez pas des questions sur les contenus parce que ça ne vous intéresse pas. Ce qui vous intéresse, c'est la polémique. Parce que lorsque on va apporter ces sujets à l'Assemblée,
pour la session de septembre. On peut dire on boucle. Vous savez, on a été voir le Premier ministre. Nous lui avons dit, il faut une programmation. Parce que les élections au Congo coûtent trop cher à la dimension du pays. On ne va pas préparer les élections la veille. Il faut faire une planification sur plusieurs budgets. Pourquoi on doit dépenser 600 millions de dollars pour faire l'enrôlement et ne pas mettre 300 millions de dollars pour faire les recensements? Les recensements qui n'ont jamais eu lieu dans ce pays depuis 1984. Est-ce que vous ne pensez pas qu'on va vers la fin de l'émission? On va aller vers la fin, mais je vais d'abord donner cette précision. Parce que nous sommes dans une démarche d'anticipation, parce que nous pensons que la tâche est difficile, mais parce que nous pensons que les Congolais sont en mesure de transcender nos clivages politiques pour privilégier l'essentiel. Le FCC parle de réformes, les autres parlent de réformes. Pourquoi on ne pourrait pas débattre de manière sereine de ces choses, avoir réglé les problèmes liés au processus électoral, identifié les coûts 3 ans plus tôt, de sorte qu'on y travaille et qu'on passe à autre chose. Parler de régler les problèmes de jeunes, régler les problèmes des étudiants, il y a les conséquences Je ne suis pas allé dans le fond parce que vous m'avez gardé dans la polémique. Mais, malheureusement. Mais vous répondez surtout aux polémiques. Je ne réponds pas aux polémiques, c'est vous qui posez des questions de polémique. L'avant-dernière question, Patrick Mouyaïa. Le téléspectateur dit l'initiative de Patrick Mouyaïa et ses amis, c'est de créer ou de préparer le glissement avec toutes les réformes qui vont s'enclencher. Totalement. Après leur dialogue. Totalement faux. Nous ne prenons pas. Recensement, mise en place d'un consensus autour des désignations des membres de la CENI, l'harmonisation entre le parti politique, tout ceci va Laissez-moi vous donner le 4 axes de ce que nous faisons. Très vite. Parce que moi, j'ai subi beaucoup des foudres et je suis imperturbable. Parce que simplement, je pense que ce que nous faisons est bon pour le pays. Parce que nous pensons que 60 ans plus tard, Jean-Marie, on ne peut pas continuer de nous diviser sur des choses qui devaient nous rassembler. Nous tous, nous avons besoin que nous ayons des élections dans la paix, dans la sérénité, qui produisent des institutions stables et qui vont régler les problèmes des légitimités qui nous tuent depuis 1960. Notre caneva est tout simple. Nous avons listé un certain nombre de choses. Aujourd'hui, il faut regarder la loi organique de la CENI parce que c'est elle qui organise la désignation de membres. Il faut jeter un coup d'œil sur la loi électorale. Il faut interroger Jean-Marie Kassamba. On parle des élections locales depuis 2006. Vous savez pourquoi on ne les a jamais organisées? Pourquoi? Parce que dans l'esprit de la Constitution, il faut voter plus de 11 000 personnes. Aujourd'hui, nous avons 780 députés provinciaux qui font 9 mois d'impayement. Est-ce qu'il faut organiser des élections pour voter 11 000 personnes? Mais c'est toutes ces réformes qui vont préparer les glissements. Les réformes ne prépareront jamais les glissements parce que si nous avons la sérénité nécessaire, nous pouvons les évacuer en un mois. Le problème, c'est parce que nous sommes tellement coutumiers des polémiques qu'on ne veut pas voir l'opportunité que nous avons 60 ans après Jean-Marie Kassamba de nous mettre enfin d'accord sur ce qui peut nous diviser davantage. Je comprends les intérêts des uns et des autres parce qu'il s'agit de redéfinir le mode de conquête du pouvoir. Mais le Congo vaut plus que ça. Le Congo, c'est les regroupements qui nous réunissent tous. Si nous avons aujourd'hui, Jean-Marie Kassamba, listé les réformes que nous devons faire, on dit la loi organique, on dit la loi électorale, on dit quelques dispositions de la Constitution, on dit, et j'insiste là-dessus parce que moi, je parle souvent de démographie. J'aurais d'ailleurs voulu que vous puissiez m'inviter avec n'importe quelle politique congolais débattre sur les questions démographiques. Je crains que vous n'en trouviez pas. Parce que les politiques congolais, oui, nous nous plaisons dans la polémique, dans les juridismes, et nous faisons jamais des débats de fond qui vont aller dans le sens de changer le quotidien de nos compatriotes. Il faut qu'on soit différent. Lorsque nous listons ces choses et qu'il y a une volonté politique et qu'il y a eu des discussions en amont et qu'on a eu à baliser les chemins, Madame la Présidente Mabunda, connaissant son efficacité, on ne fera pas un mois. On aura eu à fois la loi électorale, la loi organique, et on se dira, bon, le 3 ans qui reste au mandat du président Tshisekedi, on ne va plus revenir sur des questions qui nous divisent parce que c'est beaucoup des questions passionnantes. On va nous focaliser pour voir comment on redresse le pays. Comment, dans la continuité de l'action du président Kabila, on améliore ce qu'il a amorcé. C'est ça le travail que nous devons faire. Donc, je termine en disant que nous, notre démarche ne vise nullement ça, faut pas le dépassement de délai. J'insiste dessus parce que... Et sachez que c'est enregistré. Lorsque nous allons
Attissa Bouattablaire et qu'on va passer. Non, c'est pas une affaire. Du dialogue de la cité new africaine qui s'est mise à Sénégal. C'est cette culture que nous devons briser. Et moi, voilà. Je suis de ceux qui veulent briser Laissez-moi terminer, s'il vous plaît, Jean-Marie Kassamba. Concluez, chutez. Vous connaissez, vous avez une forte expérience. J'ai toujours admiré votre parcours. Parce que vous avez vu comment ça se passe ailleurs. Il n'y a aucun pays. Il ne faut pas croire que le Congo, c'est le seul pays où ses fils, même s'ils sont dans des camps opposés, ne peuvent pas transcender leurs divergences et discuter. Lorsque l'Amérique est envahie, vous ne voyez pas les républicains, vous ne voyez pas les démocrates. Même chose avec la France. Pourquoi nous, la République démocratique du Congo, on doit toujours penser que quand nous, on arrive au pouvoir, c'est les pouvoirs qu'on a contre les autres. Moi, je suis de ceux qui pensent que la politique doit se faire différemment. Et 60 ans après, ces pays, je m'interroge, Jean-Marie, je vais vous choquer. Parfois, je m'interroge vraiment sincèrement si nous méritons ce pays. Merci beaucoup. Et là, c'est plus provocateur. Et je signale que dans le 13, il y a un peu de FCC. On est 12, parce que notre collègue Paul Sapou... Oui, il a démissionné. Il n'a pas démissionné. Il a choisi de répondre à l'appel des ONG qui veulent qu'il se porte candidat à la présidence de la CENI. Ceci n'est pas compatible avec... On a pris bonne note et on va suivre tout ceci de très près. D'ailleurs, c'est la présence de Sessanga dans votre groupe, lui qui a proposé la modification de la Constitution, qui a un peu géré tiquer les gens. Point virgule. On va vous recevoir très prochainement. J'ai pas encore terminé. Qu'est-ce que vous voulez dire encore? Mais il y a encore. Parce que l'émission est terminée. Jean-Marie, vous aviez dit que c'était l'avant-dernière question. Oui. Non seulement ça, mais je n'ai rien dit de ce que j'avais dans le ventre à dire aux compatriotes qui nous suivent. Qu'est-ce que vous voulez dire? Vous n'avez pas encore dit pendant la campagne électorale. J'ai envie de leur dire. Je ne suis pas en campagne électorale. Oui. J'ai envie d'inviter les Congolais où que nous sommes en sursaut. Vous savez, moi, je suis choqué. Parce que le Congo, c'est un pays qui pond des hommes brillants partout. Vous l'êtes. Férégol allait dans ce domaine. On a les Mouyembe, on a les Mukwege. On a les Boshab. Comment vous pouvez expliquer qu'un pays qui régorge autant de génies soit un pays aussi pauvre qui ne nous reflète pas? Est-ce que vous, quand vous circulez à Kinshasa, Jean-Marie Kassamba, vous êtes content de voir que les pays qui hébergent des hommes brillants au pays de Lumumba, depuis 1960, être les derniers au classement de l'indice du développement humain? À part votre démarche je propose un Non, la démarche de 13 est une démarche conjoncturelle. Je propose un sursaut patriotique. Nous devons mettre fin à la mauvaise culture que nous avons, la mauvaise culture du culte à la personnalité, la mauvaise culture du djalélo, la mauvaise culture de croire que quand on arrive au pouvoir pour soi, sa famille et ses copains. Nous devons apprendre tous à privilégier le pays et à remettre le pays sur le rail. C'est bien pour ça que Joseph Kabila a sacrifié sa jeunesse. Vous savez pourquoi je le dis. Merci beaucoup. C'est pas mon dernier mot. Je vais laisser terminer parce qu'on va garder ça. Qu'on mettra bien évidemment Donnez-moi mon dernier mot, s'il vous plaît. Il n'y aura pas de dernier mot parce que vous êtes un bon parleur qui sait charmer le public. Je ne charme pas le public, j'ai dit la vérité. Merci beaucoup. C'est moi donc, qui vous remercie. Patrick Mouyaya, l'un des 13, des 12 d'ailleurs, parce qu'il y en a le 13e qui n'est plus là. Et nous allons suivre cette situation de très près. Vous avez posé beaucoup de questions. Continuez à les poster sur la plateforme qu'on va transmettre à Patrick Mouyaya. Continuez les débats sur Internet parce que nous sommes en live, streaming partout, satellite. Comme vous le savez, votre émission. On se retrouve très prochainement avec le même plaisir. Gardez vos positions d'écoute et restez calme, positif sur le Congo. À très bientôt.